Bonjour et bienvenue pour la survie du week-end. Nous reprenons notre aventure. Donc j'ai aménagé un peu les choses. Vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve ça pas mal. Par exemple, là, nous avons donc l'ordinateur avec une tisane avec des cachets, avec un revolver à côté et un livre sur les armes à feu. Je trouve que le thème est bon. Le thème est bien. Je pense que j'ai touché le bon point sensible. Nous avons des livres un peu entassés. Nous avons du bordel. Aussi, nous avons l'eau ici. J'ai fait quelques rangements ici aussi. Nous avons une étagère qui commence à être un peu pleine, ce qui est pas mal, ce qui est pas mal. Je trouve que... Mais honnêtement, je trouve que c'est quand même beaucoup plus stylé d'avoir des choses en fait qui sont empilées comme ça, plutôt que à chaque fois une par une, côte à côte. Déjà, ça prend beaucoup moins de place, et déjà, ça fait quand même un peu plus stylé. Voilà. Ça rend les choses un peu plus vivantes. Donc, nous allons repartir. Bon, ici, c'est le bordel avec des pots partout. Bon, faut pas marcher, c'est dégueulasse. Mais nous allons partir, en fait, d'ici. Alors, je n'ai toujours pas dormi, hein, comme j'avais expliqué la dernière fois. Je n'ai pas dormi. J'ai juste, en fait, pris 5-10 minutes à ranger les choses pour que ça soit bien. Nous sommes à 28,30 kg sur 35. Nous avons... Honnêtement, j'ai envie de dire le strict minimum, ce qui est bien. Ce qui est bien, ce qui est bien. Nous avons notre revolver, 52% et 20 balles sur nous. Le revolver qui est là-bas, il est en piteux état, 31%. Donc celui-là, il va rester là. Je pense pas qu'on va prendre de livres. Je suis pas trop sûr encore de ça. En tout cas, le problème de notre situation maintenant, c'est qu'on n'a pas vraiment de calories. Okay, j'avais déjà expliqué la dernière fois, on n'a pas vraiment trop de calories de réserve. Il faut qu'on boive, il faut qu'on mange. Et on a 1% de risque de parasites, donc on va éviter de dormir. Hein. Je vous avais déjà expliqué la dernière fois que, à moins qu'on me prouve le contraire, les parasites se déclenchent bien au moment où on dort. C'est à ce moment-là qu'on peut être malade. Donc à la limite, j'ai envie de dire, on peut même être à 100%, en théorie, hein, on peut même être à 100%, tant qu'on ne dort pas, ça ne va pas se déclencher. Et si on reste comme ça, avec le temps, bah, ça va partir. Je crois que c'est 24 heures ou 12 heures, je sais pas. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on va rester éveillé, et puis pour nous, c'est pas vraiment un gros problème. Mais on a un problème de calories, comme j'ai dit. On a que de la viande de carnivore. Et ça va poser vite problème si on fait pas trop attention. Mais comme j'ai dit, si on reste éveillé... bah, hein, ça peut peut-être passer. Voilà, ça peut peut-être passer. 4 litres ici, on a 0. Oui, parce que j'avais gardé le jerrycan de 39. On a la lampe qui est pleine. Donc, en gros, il y a deux solutions. Il y a deux solutions. Alors, ou on... Donc, nous, on est à l'autoroute côtière. Ou alors... bon, on a un temps de merde en ce moment, c'est pas grave. On laisse passer. Ou on sort, on va pêcher, on va essayer de trouver un cerf, etc., etc. En gros, on passe un épisode tranquille à la cool, sans trop d'aventures. Bon, je dis pas qu'on est entouré de loups, hein. On est sûrement entouré de loups même, donc je pense qu'on va devoir quand même combattre, mais on fait ça, on l'a déjà fait, ou alors on commence déjà à retourner donc au lac Mystère, et on va se préparer pour Muskegmorn. Honnêtement, je dirais qu'on devrait retourner au lac Mystère et se préparer pour Muskegmorn, comme ça on va pouvoir créer nos outils. Je pense qu'on va faire ça, personnellement. Je pense que c'est une bonne idée. Et une fois qu'on aura nos outils, bah, on pourra faire un peu plus... On va pouvoir faire ce qu'on veut. Donc du coup, on pourra... Je pense directement partir au canyon des cendres, honnêtement. On fera la hache, on fera le couteau. On fera un arc. Un arc, parce que comme j'ai dit, le fusil... Enfin, le revolver, il commence à être bas en pourcentage. J'ai pas trop envie de tomber... Genre que l'arme s'enraye, en fait. Pendant qu'on est devant un loup, ça serait un peu emmerdant. Donc ouais, on va commencer à utiliser l'arc jusqu'à ce qu'on puisse réparer en fait nos armes. Donc voilà, je pense que c'est une meilleure solution. Après, est-ce qu'on vous reprend vraiment un livre avant de partir? On va voir un peu nos skills, qu'est-ce que ça donne.
Alors la carcasse on s'en fout, l'allumage de feu on s'en fout, on est bientôt à 3 de toute façon. Alors pêche de glace on s'en fout aussi. Il n'y a que la cuisine qui ça serait bien de pouvoir le lire. Il n'y a que la cuisine vraiment. C'est quoi ça? Dépecer non. Ça c'est la cuisine. Cuisine nature? Ouais, on a la cuisine. On peut prendre ça. On peut prendre ça. C'est quoi l'autre? C'est deux cuisines? C'est deux cuisines. J'ai envie de dire qu'on peut prendre ça. Après, on a aussi la couture qui est intéressante. Je sais pas quoi prendre, c'est emmerdant. Ouais, mais t'as pas besoin de faire ça, on a de l'eau. Donc arrête de, d'être dégueulasse, merci. Mon dieu, on a combien? On a 2,63 pour prendre celle-là. Et celle-là. Ouais, très bien. Ça le reste, ça le... Ouais, on va boire ça. Avant de partir. On va boire ça. Très bien, et on va transférer ça dans la gourde. Voilà. Tada. Après, en objet, donc les balles, tout ça, on s'en fout. Bon, tout le reste, on n'a pas besoin. De toute façon, on va revenir à cet endroit ici, hein, donc on va pouvoir récupérer le reste. Et il faudrait qu'on sauvegarde, en fait, ce qu'on voit là. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on s'en rappelle. Il faudrait qu'on s'en rappelle, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va le prendre. Attendez, hop, hop. Tada. Alors, en parlant de faire ça, là, parce que oui, bon, on utilise des mods et tout ça, vous le savez. Vous êtes au courant, je pense. Il y a une chose qui s'est produite, c'est qu'il y a eu des mises à jour avec les mods. Alors j'ai pris... Alors à chaque fois je fais très attention. Hein. Alors, je fais une petite parenthèse, je parle de mode. Hein. Je fais toujours très très attention en fait. Comment je mets à jour les mods. Donc je garde les anciens, en fait les fichiers que j'ai en ce moment dans le jeu. Donc les fichiers des mods dans le jeu. Et après je prends les mises à jour à côté. Et après je les transfère. Mais je garde toujours... les mods. Attendez, parce que je vois pas la touche, voilà. Interrupteur, pardon. Et du coup, donc j'ai testé les mises à jour des mods et ça a complètement fait bugger ma partie. Genre là, il y avait la moitié des objets qui avaient disparu et tout ça, donc c'était vraiment une catastrophe. Donc après, maintenant, j'ai remis les versions précédentes de mods qui fonctionnent bien. Donc ça, il va falloir que je vois en fait pour vraiment les mettre à jour. Pour le moment, j'ai jamais vraiment eu de problème en fait avec les mises à jour de mods. Mais là, par contre, c'était peut-être un peu trop lourd en fait. Donc il y a eu des conflits, je sais pas trop pourquoi. Mais voilà, donc si jamais vous mettez les mods à jour, je l'ai déjà dit hein, chaque fois, hein. Si jamais vous mettez les mods à jour, gardez vos fichiers que vous avez maintenant dans le jeu, gardez les mods que vous utilisez, vous les mettez de côté, après vous les remplacez par les nouveaux, vous voyez si tout marche, et si vous voyez qu'il y a un problème, vous revenez à la version précédente, pour éviter tout problème. Donc voilà, sinon on pouvait plus faire la survie du week-end en fait, donc c'était un peu emmerdant. C'était un peu emmerdant. C'est ça qui est un peu dangereux, c'est de faire des séries en fait sur des mods ou alors des jeux qui sont en développement. C'est toujours le risque de perdre en fait tous vos objets, la sauvegarde, etc., etc. Bon, est-ce qu'on part? Alors ce qu'on pourrait faire, c'est partir... On veut qu'on lit, on va lire. On va s'asseoir sur le lit. Là, hop, ouais, je me suis assis sur le lit. Oui, on fait exprès, on fait genre, on s'est assis, ok. On va lire. Oh ben voilà. Vous savez, des fois, il faut juste s'asseoir et attendre. Très bien. Très, très bien. Bon, allez, on y va. J'ai un peu pris de nourriture en plus, même si c'est du carnivore pour le moment, c'est pas grave. On va y aller. On y va, on va rester sur le bord de l'autoroute, près de l'eau, là. On va aller de maison en maison pour se réchauffer. On voit strictement rien. C'est bien.
c'est bien, c'est bien. Alors maintenant, je suis en train de me dire, est-ce qu'on a un marteau à la vallée charmante, pas la vallée charmante, au lac Mystère. Ok, je viens de le voir. J'espère qu'on a un marteau. Honnêtement, j'espère qu'on a un marteau. Quoi d'autre? J'espère qu'on a un marteau. Et il nous faut du métal aussi. Mais ça, le métal, on pourra aller le récupérer. On pourra aller le récupérer. Où ça? Oh, il y a un cerf là-bas. Au barrage. On pourra aller le récupérer au barrage. Donc c'est pas vraiment un gros problème. Oh, il fait froid. Toujours un problème. Oup, loupé. On va essayer de le gruger avec la voiture. Là, le passage là, il est pas mal. Hop, hop, hop. Après, on a 3 morceaux de viande, donc on pue un peu la barbaque. Donc du coup, il peut nous suivre à la trace un peu de loin. Mais voilà, si on se débrouille bien, voilà, très très bien. Voilà. Alors maintenant, ce que je voudrais trouver, c'est un endroit, une maison. On devrait bientôt y être, normalement, pour se réchauffer en fait. Ouais, 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 c'est bon, on y est. On a eu une belle aventure hein, dans la mine, hein, vous vous rappelez? Même pour moi, c'était de la découverte. C'était vraiment, vraiment bien. Ah, oh, il est pile en face. On va se concentrer. On va dégainer juste au cas où. On va monter, on va aller dans le bâtiment. Là. On va passer par là si je peux. Non, on peut pas. Ok, ok. Oh, il sait monter les bois. D'accord, ok. On ne peut pas monter là, ça commence à m'énerver. C'est bon. C'est bon. Fou, là 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 là. Compliqué. C'est compliqué tout ça. Je vais être honnête, je voudrais bien dormir en fait. Je voudrais vraiment bien dormir, mais comme j'ai dit, on va pas le faire. J'ai peur qu'on perde les calories par contre. J'ai un peu peur qu'on perde les calories. Il nous reste plus que 500 calories, c'est pas beaucoup. Hein. C'est vraiment pas beaucoup. Ah non, on peut pas lire. Donc, 500. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va voir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire avec nos petites mimines? On peut faire ça. Histoire de se réchauffer vite fait, hein, évidemment. Voilà, très bien. Encore un peu. Non, on peut pas manger des arbres, toujours pas. Ok, on va encore, encore faire un peu ça. Donc ouais, un peu bête pour les mods, ça m'attriste un peu. Je pense que vous le sentez à ma voix. Je suis un peu attristé de pas avoir pu les mettre à jour. Surtout que il y avait un mode en fait pour placer les objets, il a été amélioré celui-là. Bon, honnêtement, la version que j'ai maintenant fonctionne très bien. On est bon, on va sortir. La version que j'ai maintenant fonctionne très bien, donc c'est pas très grave, mais j'aurais bien voulu avoir la chose mise à jour. Donc il faut que je le reteste. Très bien, toujours ranger le revolver quand on ramasse plusieurs objets comme ça.
juste au cas où, parce que un tir est vite parti. Je crois qu'on pourrait monter, je suis pas trop sûr. Attendez, on est à quelle portion en fait de l'autoroute? Non, je crois qu'il faut encore un peu avancer et après on va commencer à monter dans les dans la montagne. C'est un peu un temps pourri, hein, j'ai envie de dire. Désolé, mais un peu pourri le temps. Bon, après, ça ira vite. Hein. Une fois qu'on est sorti d'ici, on est sorti de l'autoroute côtière, après, on est quasiment à la maison, j'ai envie de dire. Quasiment. Mais ouais, il faut qu'on commence à réfléchir sur notre... sur les outils et tout. Faut vraiment qu'on le fasse. Ça commence à trop nous bloquer, en fait. Surtout pour les vêtements, encore une fois. Je sais que je répète souvent la même chose, mais... Est-ce qu'on avait vérifié ça? Allez, donne-moi une belle surprise. Ok, merci. Oh putain, même dans la voiture, on voit rien, quoi. Ah, il y a un livre. C'est quoi, c'est dépecé? On s'en fout. Ça m'embête qu'on voit rien comme ça. Ah, il n'y a pas de lune, rien. Pas d'étoile. On commence à courir un tout petit peu. On devrait arriver encore à un village. On va se reposer, se réchauffer. Encore une fois. Je crois qu'il y a un loup qui arrive vers moi. Ouais. On va partir. Faire attention parce qu'il y en a peut-être là en fait. Aussi. Ok, go. On est bon. Bon, on peut toujours pas dormir. Enfin, comme j'ai dit, on peut dormir. Mais... C'est un peu risqué. Je voudrais vraiment que ça disparaisse en fait. Et je suis en train de me dire peut-être que ça disparaîtra pas tant qu'on dort pas. J'étais en train de penser à ça aussi. Je suis pas trop sûr hein, de ce que j'avance. Je suis pas trop sûr. Mais bon, de toute façon il va falloir qu'on mange. Hein. Si jamais on tombe... je veux pas en fait perdre le bonus qu'on a. Je veux vraiment pas perdre le bonus. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut préparer. Est-ce qu'on a... Non, on n'a pas de choses à préparer. Ouais. J'avoue que là on est un peu. On est un peu bloqué là. Ha! On est un peu bloqué. Je pensais pas que. Voilà, mais en fait, ouais, voilà. On pourrait sortir, faire du feu, faire un thé. On pourrait faire ça aussi. Réchauffer un thé. Ouais, histoire d'être. Ouais, on peut faire ça. Faire ça, on peut faire ça. On a des allumettes. On a des allumettes. Ça nous ferait... Ouais, là, on peut faire ça. Ok. Alors, on va se réchauffer au thé. Comme ça, ça nous montrera un peu nos calories aussi. Ah, merde. Did I say I hate being cold? Because I really do. Thank you.
on n'est pas là. On n'est pas là. Non, je suis pas là. Non. Non, non. Pas du tout. Non, pas là. Non, arrête. Non. Oh. Non. Non. Non, non, on n'est pas là. Donc arrête de me... Hein. Non, toujours pas. Très bien, il s'est cassé. Il a sûrement essayé de nous attaquer. De toute façon, je savais qu'on risquait rien. Il a essayé de nous attaquer, sûrement. Et, mais il y a eu le feu, donc il a eu peur. Voilà. C'est pour ça. C'est pour ça. J'ai envie de dire, on aurait pu le combattre et tout ça, mais honnêtement, ça fait beaucoup de... Par contre, où est-ce qu'il est allé, ça? Ouais, bon, il est pas revenu en arrière, sinon on verrait les pas qui vont dans ce sens-là. Je pense qu'il allait, il a continué vers l'autre côté. On aurait pu... J'ai envie de dire, on aurait pu combattre... Mais c'était pas sûr de le tuer, etc, etc. Vous voyez. J'ai pas vraiment envie de lui courir après. Par contre, un truc, je suis pas trop heureux. J'ai utilisé du fuel, en fait, pour qu'on puisse... faire directement le feu. J'aurais dû prendre mon temps, juste allumer une torche. Mais bon, dans la panique. Ça a utilisé 0,30 en fait, donc il ne me reste plus rien. 0,9. Après, ce qu'on peut faire un peu, c'est vidanger la lampe. En remettre dans le bidon. Une solution. Mais ouais, c'est embêtant. Ah, on n'est jamais venu ici. Je crois qu'on était passé par là. C'est une sorte de petite aire de repos en fait. Une table là. Il y a un dessus. Enfin, un banc. On a des massettes. On a froid. Ah, c'est pas la joie, hein. J'ai envie de dire, hein, c'est pas la joie. Hein. C'est quoi ça devant? C'est un caillou ou c'est un ours? Non, c'est un ours. C'est un caillou, pardon. Si c'était un ours, serait déjà mort. Petit lapin.
peut sprinter quand même. Le froid nous aide pas. C'est une torche, celle-là. Très bien. On est en train de perdre pas mal de vie, hein. J'avoue, je suis pas trop... trop heureux par rapport à ça. On commence à être fatigué, on commence à avoir très froid, on commence à avoir très faim. C'est pas la joie, hein. C'est vraiment pas la joie. On est mal parti par contre. Je me rappelle jamais de quel chemin il faut prendre pour monter en fait. Je crois que c'est à droite. Ou alors il faut faire tout le tour. Je crois qu'on peut par là. Je crois qu'on peut. Yes. Yes. Voilà. Il est bon. On devrait se réchauffer, honnêtement. On devrait se réchauffer là. On devrait faire un petit feu et se réchauffer. On a perdu énormément de vie. Je suis un peu dégoûté. Je vais être honnête, je suis un peu dégoûté le côté de ville. Mais bon, on va pouvoir dormir longtemps. Mais il nous faudrait des... Come on, little fire. Il nous faut des calories pour dormir, ça le problème. Mais je crois qu'on avait de la viande de cerf là-bas, non? Oh, lucky day. Allez, à la maison. Donc je pense que c'est bon. Ça, on va faire... Ça. Allez, 6 minutes. Boire. Très bien. On va augmenter la chaleur avec tête de massette. Voir si on peut pas se réchauffer en fait ici, mais vraiment se réchauffer, pas juste passer le temps en fait. Ça. Fondre et cuire. Et là, on va faire un peu d'eau. 1h10. Voilà. Là, on peut se réchauffer. Là, on est bien. Mais ouais, niveau vie, niveau calories, c'est la dèche, c'est la mort. C'est bien. Pas méga content. Mais bon, c'est comme ça. Des fois on fait pas trop ce qu'on veut, des fois ça se passe pas très bien. Bon par contre je suis un peu dégoûté parce que ça j'ai pas l'impression que ça part en fait. J'ai pas l'impression que ça disparaît. On va essayer de tenir avec ce qu'on a, honnêtement on peut, hein. Genre avec les massettes et tout ça. On devrait pas avoir de problème jusqu'à arriver
au lac Mystère et chez nous, quoi. Donc on va voir ça, c'est un peu un test aussi, on va voir. Ça, hop. Très bien, au potable. Ah oui. Ah oui, le fameux... La fameuse dame nature qui est là pour te la mettre. Ah oui, ça c'est bien ça. Ah oui, merci. Merci, merci. Ça fait plaisir. Ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué ce... Ce moment où, où tu te dis bah tiens tu vas prendre méchant. Très bien, ça fait monter le la cuisine hein. Honnêtement on s'en fout, c'est très bien, faut juste que on à chaque fois on utilise un peu des massettes pour maintenir la, les calories à jour, mais on a encore chaud, j'ai rien dit. Là on devrait avoir un peu chaud, ah, très bien. Fond de cuir. Fond de cuir. Très bien. Ça nous aide niveau cuisine, comme je le dis hein, toujours. Une heure. Ah, encore heureux qu'on s'est pas mis genre en plein milieu. C'est pour ça que même si le temps paraît bien, ne jamais faire un feu genre exposé. Toujours. Faut pas vous protéger vous, faut protéger le feu, comme je dis. C'est tout le temps comme ça. Faut toujours protéger le feu. Vous, c'est... Si vous avez un feu qui est protégé et qui est à 150 000 degrés, bah ça va, c'est bon, vous risquez rien, vous. Même si vous êtes exposé au vent, gelure et machin, bah non, ça va vous maintenir au chaud. C'est le feu qu'il faut protéger. Ok, bon, on a tout fait. On a tout fait. Il reste 38 minutes. 38 minutes, 37 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça c'est bien qu'on ait trouvé des balles en plus, ça c'est cool. Oui, 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 je sais. Je crois qu'on peut rien faire d'autre. Je vais être honnête. Bon, par contre, on a vraiment un temps pourri, quoi. Et j'ai pas de bois. Je peux pas faire durer le feu, en fait. Ouais, ça, c'est embêtant, ça. Là, j'avoue, je sais pas quoi faire. Je crois qu'on va devoir se faire violence et marcher dans la tempête. Ah, par contre, on a le pont à passer. Oh la vache. Oh, le pont pendant la tempête. Oh mon dieu. Ah, ça va être violent là. Oh, ça va être violent. Le pont pendant la tempête. On va s'amuser. C'est pas grave. Ok, allez. Oui, 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 plus fort, plus fort, plus fort le vent, plus fort. Tant qu'on y est, allez, allez. Donne-moi tout ce que t'as, donne-moi tout ce que t'as. Ah, c'est... ah non, non, j'arrive, je crois que ça s'est arrêté. Hop. Allez, go. Vas-y, donne-moi tout ce que t'as.
Vas-y, 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 fais voler des arbres, fais voler des arbres. Allez, c'est parti. Envoie-moi des arbres pendant que je passe le pont. Qu'est-ce que c'est que ça en bas? C'est un feu? Ah non, c'est la chute d'eau. La chute d'eau, je crois. On voit rien, c'est pas grave. Allez, on sprint, on sprint. Allez, vache, vache, vache. On sprint sur le pont. On est bon. Ok, on est protégé un peu. Ça va, c'est bien. Rappelez-vous qu'on a toujours un thé en plus. Aïe 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 aïe. On se protège, parfait. Je sais pas lequel est chaud. Très bien, c'est reparti. C'est nous ça. Par où on passe? Je comprends plus rien à la carte des fois quand on est une tempête. Ok, on a une torche là, on vient de là. Ok. Ah oui, on est toujours dans le tunnel en fait, je viens juste de capter, ok, ça marche. On est bon, on est bon. Là c'est de l'aventure ça. Si je perdais la tête, je sortirais mon revolver, Oh, c'est un arbre qui a bougé. Oh la vache, j'ai cru qu'il y avait un... Oh, rien, laissez tomber. Laissez tomber, c'est mon imagination. Je tirerai sur le vent, voilà, c'est ce que je voulais dire, si j'étais fou. Oh, j'ai cru qu'il y avait une bestiole en fait sur le côté. Je veux même pas voir l'état de mes vêtements. Je veux même pas voir l'état de mes vêtements. Pas grave, on se fait violence. C'est par là? Ouais, c'est par là. Très bien. Très très bien. Avance, merci. Il nous faut un bandage. Oh, j'aime pas passer par là, oh mon dieu. Presque. J'ai vu vite fait mes vêtements. C'est pas aussi horrible que ce que je pensais, honnêtement. Donc ça va. Faut juste éviter la gelure. Là, on passe la zone et après on peut dormir. On peut se mettre à l'abri du vent. Donc honnêtement, ça va. Ça va, ça va, ça va.
crois que c'est par là. Dans la tempête. Oh, oh, oh. Ouais, donc ça marche. Ok, on peut faire ça. On peut manger. On peut se mettre à l'abri ici, on va pas le faire. J'ai cru voir des objets à l'intérieur de la grotte, mais je dirais, je suis quasiment sûr qu'on l'a déjà vu cette grotte, qu'on l'a déjà visitée. Je suis pas complètement sûr en fait. Je vois rien, c'est par là, par là, par là. Ah c'est bon, c'est bon, c'est bon, on y est. Je reconnais, je reconnais. Je suis en train d'essayer de me persuader moi-même en fait. Alors vous inquiétez pas, tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Tout va très bien. Catastrophe cet endroit. Allez, go, go, go. En plus, j'aime bien parce que la tempête, là, le blizzard, là. Ça va, c'est pas genre un blizzard de 5 minutes. Non, non, c'est un blizzard de 704 ans. Voilà, vous voyez, c'est bien. Ça, j'aime bien, ça. Ça, j'aime bien quand ça fait ça. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Presque, il manquerait plus qu'un loup. Et là, je crois qu'on serait bingo là. On y est. On y est. On y est. Ça y est, c'est bon. On est à l'abri. On est à l'abri. Alors, fais voir un peu. Résultat des cours, donc on a une entorse, c'est pas grave. Risque de... c'est pas grave. Douleur, c'est bien. Risque d'hypothermie, c'est pas mal. On a très peu de vie, c'est bien. On a très peu de calories, c'est bien. On est super fatigué, très très bien. Nos vêtements, comment ça se passe? Parce que mes vêtements, on a eu des déchirures. Bah ça va. Ça va, ça va. C'est... on a vu pire. On a vu pire. Bah voilà, non, ça va. Ça va, on va manger quelques massettes, on va dormir 2 heures à peu près. Et après on va continuer vers notre camp. Donc on peut se goinfrer de viande, j'ai envie de dire. Et attendre que ça passe. Donc on est positif sur ça. Donc ça c'est une bonne chose à savoir. C'est une très bonne chose à savoir. Ah oui, quand même, parce que je pensais que c'était 6 heures. Bon, bah voilà. Regardez-moi ça. Oh, c'est pas beau. C'est pas beau. On a récupéré un peu de vie, bah, très bien. Allez, c'est parti. On va directement à notre camp. Ouh la vache. Ah c'est pas... hein? C'est pas facile tout ça. Hein, mais on est rentré. Encore une fois, on a toujours un temps tout pourri, c'est bien. Un truc qu'on pourrait faire ici, ça serait de... alors déjà je vais voir s'il n'y a pas des massettes. Mais ça serait de... qu'est-ce qui fait froid, mon Dieu. Trouver un élan. Mais merde. Je l'ai pas vu. Ah si, je le vois, ok. Ah, je vois.
Vous vous rappelez qu'à un moment on avait voulu trouver si. Enfin, voulu voir s'il y avait un élan. Bon. Il est où? Ok, je vois tout. Sure, getting cold. C'est reparti pour le froid. Là, on a faim aussi. Alors, je vais essayer de le semer là, dans la montée, puis après la descente. C'est so cold. I just want to lay down for a bit. D'accord, ok. Ce qu'on va faire, c'est ça. Non, on est bon. On est bon. J'ai balancé une viande. Ça devenait un peu dangereux. Fallait qu'on mange, j'avais pas envie de perdre le bonus, etc., etc. Par contre, on a des bestioles devant. Ouais. Ouais. On a un. Celui-là, on peut le contourner, ça va. Ouh, je crois que j'en vois un deuxième juste là. Va vers la gauche plutôt, mec. Enfin, loup. Comme ça, on peut bifurquer. Ok. Ok, il préfère. Je préfère appeler ses potes. Ok. Ok, doucement, tout va bien. Pourquoi ils ont eu peur? Pourquoi il y en a un qui a eu peur en fait? C'est quoi ce que j'ai devant moi là? Un caillou? Tout semble suspect. Non, c'est un caillou. Il nous faut de l'eau, il nous faut de la nourriture. Ah ouais, quand même, toi tu veux pas me lâcher toi. Ok, on va te tracer là. Mais honnêtement, prendre cette montée c'est dangereux. Vous vous rappelez une fois on est tombé nez à nez avec un. Avec une bestiole. Oh, ça s'éclaircit le temps, j'ai l'impression. Y'a rien, ça va. Ça s'éclaircit un peu. Ouais, on a la lune qui sort en fait, c'est pour ça. C'est pour ça que ça s'éclaircit. Ouais, là, c'est bien. Ça aurait pas pu être comme ça. Oh, on a encore des loups sur la glace, on les voit là. On en voit un. Ah, c'est un peu la merde. Est-ce qu'on a de la nourriture? Viande d'ours, super, ok, cool. Ça fait plaisir, donc on a de la viande d'ours, c'est bien. C'est bien, qu'est-ce que j'ai que je vous dise, moi? Hein? Je vous dis quoi, moi? Je sais pas, moi, on a de la viande d'ours. Qu'est-ce qu'on va faire? On va manger de la viande d'ours? On va pas... Enfin, après, on pourrait faire encore un peu de massette, mais bon, ouais, le marteau il est là, ouais, on a plein de trucs quand même, ça va. On a du matériel. On a du matériel, ça va. C'est que du 120, on a quoi? 115, 110, 115, on va prendre le 110.
très bien, on va faire... Hop. Ok, cool. T'es obligé de respirer aussi fort, là, tout le temps, madame? Ouais, là, on a des livres, on a ça... Ça va. Ça va. On a du matos. On a même deux marteaux. On a du matos. Ça va, je suis content. Honnêtement, je me rappelais plus vraiment de ce qu'on avait. Donc j'avais un tout petit peu peur qu'on ait... Bah, tout simplement rien. Voilà. Je vais être honnête, je pensais qu'on avait tout simplement rien. Mais en fait, non, ça va. C'est cool. Donc, on peut dormir... Bon ben voilà, on est rentré. On est rentré et... ça se passe plutôt bien. Je vais devoir un peu la vie. Un truc qu'on peut faire, ce serait de boire une tisane en fait. C'est un thé... Ouais non, c'est un thé qu'il faut. Ça c'est tisane... qui remet un peu de la vie en fait progressivement, votre état s'améliore progressivement. Donc on pourrait boire un thé, comme ça on dort un peu mieux et on récupère un peu plus de vie. Mais j'ai envie de dire, est-ce que c'est ultra utile? Je pense qu'on peut s'en passer, parce que ça c'est rare quand même, c'est très rare. Je pense qu'on peut s'en passer. Par contre quand on ira faire notre couteau, notre hachette et tout ça, là oui, là on se mettra, enfin on essaiera en tout cas, de se mettre full vie. Hein. Vie complète, HP plein, ça oui. Par contre un truc qui me fait un peu peur c'est que j'ai pas vu de jerrycan. Ah. Donc on a plus de fuel. Toi t'es vide. Intéressant. Donc on n'avait pas de jerrycan ici. Ok. 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 Donc ça c'est embêtant parce que là-bas on l'a... À l'autoroute côtière on a laissé 4... un peu plus de 4 litres en fait. Ah. Ça m'embête ça. Ça m'embête un peu. Ça m'embête un peu. Je vais être honnête, ça m'embête. Bon, c'est pas grave. On va dormir. On va dormir le plus possible. Je me rappelle jamais à chaque fois. Genre 10 heures, c'est combien? 10 heures, c'est 750 calories. C'est très bien. Ouais, on va dormir 10 heures et le prochain épisode, donc ça, donc là c'est le retour en fait. Cet épisode, c'est le retour au lac mystère, d'accord. Le prochain épisode, ça va être la préparation pour aller crafter en fait hachette et couteau. Donc c'est-à-dire que on va un peu se balader pour essayer de trouver de la nourriture. Genre potentiellement du cerf, ce serait bien. Potentiellement du cerf. Et il va falloir récupérer du métal. La cuisine, elle avance pas assez. Il faudra récupérer du métal. Je vais voir si on a du métal de côté. Ça va, Bob? Bien, ouais, moi aussi. C'est la merde. Je sais, ça fait longtemps que c'est pas vu. C'est un peu la merde. Je crois pas qu'on ait du métal. Ah, peut-être là, attendez. 7. Intéressant. Il a combien ce fusil? 53%. Ouais, 53%, mais bon, le truc, il est lourd. On va pas le prendre. Pardon. Hop. Trop vite. Ah, ouais, on a les allumettes. Ouais. Quoique... J'ai envie de dire... Alors, faudrait que je le note, en fait. Alors on va faire comme ça, Prochain épisode, donc on va chasser. Et retourner au barrage. On a une scie, hein, normalement. On va utiliser notre scie. On va commencer à couper des morceaux de métaux. Et s'en faire à peu près une vingtaine, trentaine peut-être, plus, je sais pas, on va voir.
Et on va se préparer, donc on récupère de la nourriture, on récupère du métal. Ah, il nous faut du tissu aussi. Merde. Mince, j'ai pas pensé à ça. Ah, ça va. Ça, j'ai cru qu'à chaque fois, pour moi, dans ma tête, à chaque fois, c'est au moins 4 ou 5 de tissu. En fait, non. C'est un tissu là et un tissu là. Non, c'est bon, on en a assez. On en a complètement assez. Ça va. Par contre, ouais, les charbons, on n'en a pas. Je suis bien... Je dis pas de conneries, on n'a pas de charbon. Mince. Mince. Attendez, peut-être que... après, je connais des grottes qui sont pas loin de la forge. Ouais, on a rien du tout, en fait. Ça, vous savez, ça, c'est le problème de faire plusieurs survies comme ça et de les enchaîner, en fait. Parce que les anciennes, dans ma tête, et vu qu'on prend un peu toujours les mêmes endroits, des fois, je me dis, bah, tiens, on est déjà venu là, mais en fait, non, on n'est pas venu là dans cette saison-là. On est venu là, dans la saison précédente, des trucs comme ça. Et là, dans ma tête, on avait un peu de bois de côté, de la viande de côté, genre, on avait du gibier, mais en fait, on n'a pas du tout. on se débrouille, hein, c'est pas grave. Donc, c'est un peu une surprise à chaque fois. Mais ouais, il faudra du charbon. Mais je connais un peu un endroit où il y a du charbon. Non, on l'a déjà vu dans une autre saison. Genre, normalement, quand on arrive là, la forge elle est de ce côté-là. Elle est là, genre le U, où c'est qu'il y a le U. Et dans les hauteurs ici, il y a une grotte. Je sais pas si c'est une grotte où on rentre dedans ou une grotte juste genre un terrier d'ours quoi. Mais il y a du charbon. Et après il y a d'autres grottes un peu disséminées dans Muskegmorn, mais je préférais ne pas avoir à trop me balader non plus. Mais je pense qu'on va pouvoir se débrouiller avec le charbon. Ouais, on verra ça. Voilà. En tout cas, ce sera notre aventure pour le prochain épisode. Donc on va se préparer pour aller crafter. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cet épisode vous aura plu. C'est un peu dangereux. J'ai pensé mourir. J'ai vraiment pensé mourir. Mais plus d'aventures la prochaine fois. Ciao, ciao.